Je m'appelle Alice Burg et je suis chargée du public au service éducatif et culturel des musées de Strasbourg. Ma fonction, c'est chargée des publics et des programmes culturels. Et dans ce cadre-là, on a conçu avec ma collègue Martine Deben une exposition, un accrochage spécifique qui s'appelle Experimams. Experimams, à l'origine, c'est une demande de la conservatrice Estelle Pietrick, conservatrice et directrice du MAMS. Elle voulait une galerie des enfants, un peu sur le même principe que la galerie des enfants à Pompidou. Or, nous, par expérience, on s'est rendu compte que quand on proposait des dispositifs adaptés aux enfants, finalement, ça intéressait tout le monde. Des cimaises métalliques qui sont disposées dans la salle et il y a des reproductions d'œuvres d'art de notre collection qui ont été reproduites sur des plaques magnétiques et donc à partir de ces aimants ils peuvent créer un accrochage, ils peuvent expérimenter une forme d'exposition un peu à leur sauce. Donc là, c'était l'occasion de poser très clairement un cartel, c'est quoi? Donc là, il y a un schéma pareil, assez clair, qui donne des précisions. Et on leur propose de créer leur propre cartel à partir de la seule œuvre d'art qu'ils ont face à eux. Les murs ont des oreilles et cet espace-là met un peu en parallèle une dictée visuelle d'une œuvre que le visiteur ne voit pas dans un premier temps. C'est-à-dire que d'abord, il entend la voix de quelqu'un qui décrit un tableau. Déjà bien cassé. Derrière lui, dans une alcôve dissimulée, il peut voir l'œuvre qu'il a entendue audio décrite auparavant. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a à la fois la projection de celui qui décrit l'œuvre, il y a l'interprétation de la personne qui entend la description et qui s'imagine une autre œuvre, et puis il y a l'œuvre telle qu'elle est réellement. En tout cas, l'idée, c'est que là, les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de complexe à avoir quand on arrive dans un musée et qu'on a le sentiment de ne pas savoir voir, de pas connaître suffisamment pour bien voir. Mais que là, justement, à travers ce type d'expérience relativement simple, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse fausse, qu'il n'y a pas d'interprétation fausse, c'est juste des interprétations variées. De ce qu'on a pu lire dans le rapport de la mission des musées du XXIe siècle, où la consultation qui a été faite auprès des visiteurs de musées révélait que les visiteurs de musées étaient en demande d'espace comme ça un peu cosy, où on peut se poser, où on peut se sentir bien. Mais en tout cas, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est cette volonté de rendre ce lieu chaleureux et accueillant. Et donc Experimams participe à cette idée-là, cette volonté-là.